quel est le Guy, quel est le problème de... Donc il y a quelques petits soucis, on va dire, on va appeler ça comme ça. Ça va encore, hein, je veux dire. Ça va encore. Mais vous êtes un malade, ça va encore. Pendant 2 heures, poup, les instruments qui partent, ça s'arrête carrément, il y a des breaks dans les baffes, on n'entend plus rien du tout. Je trouve ça va encore. Ça va encore, mais ça va, vous voulez me tuer? Mais non, mais je trouve Si, est-ce que vous vous rendez compte qu'un mec me dise, Bachelet, il a un spectacle de merde, ils vont pas se dire, oh, au forum, le son était par Linda Lemay, il va se dire, il a un spectacle de merde. Non. Mais si. À mon avis. Et si vous chantez, enfin, je balance des sites. Si je chantais, mon vieux. Sans micro. Ouais, sans micro et sans pantalon. Moi, je trouve qu'on a fait les essais. Moi, je trouve que ça va. Vous trouvez que ça va? Mais vous foutez de la gueule avec du monde. Vous êtes régisseur, vous? Et vous trouvez que ça va avec... Vous foutez de la gueule du monde. Avec un bel éclairage, je trouve que ça passe. Avec un bel éclairage. Mais je ne parle pas d'éclairage. On parle de son. Et moi, je trouve que ça va. Je veux pas faire le... Mais vous savez ce qu'il a? Il veut pas annuler. Parce que comme c'est de leur faute, comme c'est eux qui sont responsables, parce que le problème technique, il vient de la salle, il veut surtout pas que ce soit lui. Donc, pas d'emmerde. Bachelet, il va se faire... Il passe pour un coup. Non, non, non. Tout le public. On va pas me dire que c'est parce que c'est dimanche que j'ai pas pu réparer. Tout va bien. Non, mais moi je veux bien venir. Faire foutre. Moi je veux bien. Si c'est comme ça, je ne chante pas. Mais écoutez-moi. Parce que je veux mettre de la bonne volonté. Écoutez-moi. Ah, mais moi aussi. Moi je veux. Regardez, ce qu'on peut faire. Si avant vous commencez à chanter, je viens et j'y. Excusez-moi. Ça va être dégueulasse, mais c'est pas de sa faute. Non, je vais dire, excusez-moi, il y a eu des problèmes avec. Le tableau d'électricité ici au forum, on ne sait pas faire des miracles, donc je suis déjà bien content qu'il chante. Dites quelque chose, mon vieux. Il y a déjà une bonne avant-première, hein, aussi, il faut quand même. Ben, je suis pas au courant. Bon, ben alors, la première chose, Jean-Marc, je vais peut-être te demander de pousser la chansonnette pour un peu faire les présentations de manière plus concrète. Mais bon, ça va déjà chauffer la salle dans un premier temps. Hein. Il chante tout a cappella. Tu es la femme de ma vie, tu es celle qui a élu de mes. Dans mon cœur, tu es celle dont j'ai toujours rêvé. Tu es la solution d'amour qui m'a toujours été promise. C'est pas mal, hein? C'est bon. C'est pas mal, hein? Ah, mais t'es un marrant, vous! Vous parlez de lui? Ouais. Deux. Non, mais le son aussi, ça. Enfin, c'est... Il fait ce qu'il peut, mais. Je passe du coq à l'âne. Est-ce qu'il serait possible de faire un duo avec Jean-Marc? Non, mais vous foutez de ma gueule, mais non, mais ça va. Mais on est à Guignol, là, ou quoi? Mais c'est quoi? C'est un patronage, c'est quoi? Mais non, c'est parce qu'il connaît bien la chanson, votre chanson des corons. Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier? Je fais tout ce que je peux. Mais moi, je fais tout ce que je peux. Je viens, je suis même pas au courant qu'il y a une première partie. C'était bien, non? Mais je m'en fous que ce soit bien. Je voudrais être au courant, d'accord? Ben voilà, moi, je vous le dis. Bon. Ok, une première partie. J'ai rien contre lui, il n'y a pas de problème. Bon, on n'organise pas un duo alors que le son marche pas. Une demi-heure. Mais vous, oui, mais lui, vous c'est sortez le... de la planète Mars, mon vieux. Mais c'est pas vrai, vous me forcez à être désagréable alors qu'il y est pour rien. Mais vous demandez des choses, mais anti-professionnel. Mais vous travaillez dans les roulements à billes, c'est pas possible. Moi, c'est un honneur. Bien sûr, mais je veux bien, mon vieux, mais c'est pas... Ça se prépare, tout ça. Mais oui, il l'a préparé. On fait pas, quand il y a du monde dans la salle, on fait pas de la merde. Et on est en train de faire de la merde, et techniquement, déjà, c'est de la merde. Faut pas dire que c'est de la merde. Faut pas dire que c'est de la merde. T'as entendu ce que j'entendais? Ouais. Moi, je trouve ça allait. Mais t'as les... Alors, arrête, enlève les cotons, alors. Est-ce qu'il y a du changement au son? Est-ce que vous avez trouvé quelque chose de nouveau? Moi, je veux dire, si je peux trouver une solution, je ne demande que ça. Parce que déjà, à la base, travailler le dimanche, moi, c'est pas trop mon truc. Moi, je m'en fous, je suis là, j'ai fait 300 bornes pour venir. Tu vas pas me dire que t'as pas envie de travailler le dimanche, non? Non, mais j'ai déjà travaillé samedi. Alors. Écoute, je m'en fous, démerdez-vous, prenez quelqu'un d'autre. J'ai jamais entendu ça nulle part, quoi. Bon. Putain. Bon, les enfants, on y va? Allez, courage, Pierrot. Merde. Après nous, les vaches, hein. Allez, courage, Pierrot. Allez, courage. Ah, putain. Musique maestro. Oui, bah, les enfants. T'as déjà fait pire, hein. Oh putain, merde. Vous venez jamais chez les Belges? Hein? Vous venez jamais chez les Belges? Si, je viens souvent. J'adore les Belges, en général, ça se passe très bien. Mais c'est l'occasion de vous dire que c'est la petite caméra cachée. Ah, mais je sais.
Merci infiniment. Ah, je suis désolé si je t'énerve un peu. Voilà, ok. C'était pas possible, à la fin, c'était pas possible.